Bonjour les amis, nous allons vous présenter une procédure simplifiée de maintenance préventive pour le tensiomètre automatique. Cette procédure ne nécessite pas l'utilisation du testeur spécifique et s'adapte à tout type de tensiomètre automatique. Par contre, elle nécessite soit un tensiomètre manuel, un stéthoscope, soit un autre tensiomètre automatique dont on est sûr du bon fonctionnement. Vous pouvez télécharger cette procédure via le lien sous la vidéo. Le tensiomètre automatique est un appareil qui permet de renseigner le soignant sur la valeur de la tension artérielle. Celle-ci, aussi appelée pression non invasive, PNI, elle est mesurée au brassard et correspond à la pression du sang dans les systèmes artériels générés par la pompe cardiaque, le cœur. Cette pression permet l'écoulement sanguin et donc l'oxygénation des tissus et des organes. Plusieurs valeurs seront affichées sur l'appareil, dont la pression systolique, PAS, qui correspond à la pression du sang lorsque le cœur se contracte. La pression diastolique, PAD, qui renseigne sur la pression du sang dans les artères quand le cœur se relâche. La pression moyenne, PAM, qui est calculée via cette formule. Le pouls, qui correspond au flux sanguin pulsé par le cœur, peut aussi être affiché. Les pressions sont généralement mesurées en millimètres de mercure ou en kilopascal, et le pouls en battements par minute. Il est important d'avoir un brassard adapté à la corpulence du bras du patient et de placer la ligne marquée sur chaque brassard au niveau de l'artère humérale. Il existe plusieurs types de brassards et c'est un élément essentiel pour avoir une bonne mesure car il y a une surestimation des valeurs quand les brassards sont trop petits et une sous-estimation quand les brassards sont trop grands. Le deuxième accessoire important est le prolongateur qui doit être étanche et peut être spécifique à l'appareil. Pour réaliser la maintenance préventive de cet appareil médical, il faut consulter en priorité la documentation technique de la marque du modèle de l'appareil. De quoi avons-nous besoin? Un chiffon, un produit de nettoyage spécifique aux dispositifs médicaux, un compte-rendu des tests vierges, un stylo, un tensiomètre manuel et stéthoscope ou un autre tensiomètre automatique avec un module PNI. Dans la procédure que nous vous proposons, il y a 5 étapes à suivre. Première étape, contrôle visuel. On va vérifier la propreté de l'équipement et la présence de tous les câbles et accessoires. C'est-à-dire l'état général de tous les câbles, des accessoires dans les brassards et sa rallonge, et l'absence de détérioration au niveau des connecteurs. On nettoie l'appareil avec un produit détergent désinfectant approprié aux dispositifs médicaux ou avec de l'eau chlorée à 0,1%. On vérifie l'existence et la lisibilité des inscriptions externes telles que la marque, le modèle, le numéro d'inventaire et les étiquettes d'avertissement, des consignes et d'utilisation. Deuxième étape, contrôle mécanique. On vérifie ici l'état du support et l'intégrité du châssis. Troisième étape, contrôle à l'allumage. Pour ce contrôle, on branche et allume l'appareil pour vérifier que tous les voyants et les bips sonores se déclenchent à l'autotest. On vérifie l'état de l'écran, c'est-à-dire s'il est en bon état, s'il n'est pas cassé et si les inscriptions qui s'affichent sont visibles. Ensuite, on vérifie le fonctionnement de tous les boutons de réglage. Si l'appareil a une batterie, on les débranche et on continue les tests sur batterie. Si possible, on observe les ventilateurs, on vérifie le bon fonctionnement et la propreté. S'il est sale, on peut le nettoyer ou le remplacer. Si notre appareil est muni d'une imprimante, on va faire un test d'impression et vérifier qu'il reste suffisamment de papier. Quatrième étape,
test du module PNI. Dans un premier temps, on va mesurer les valeurs des pressions artérielles avec le tensiomètre automatique attesté lors de cette maintenance. On peut faire ces mesures sur une autre personne. On va faire les branchements. On place le brassard autour de notre bras, 2 cm au-dessus du pli du coude, et on lance la mesure PNI en appuyant sur le bouton correspondant. Le brassard doit se gonfler et se dégonfler automatiquement. On voit les valeurs s'afficher à l'écran. On note sur le compte rendu des tests les valeurs des pressions systoliques et diastoliques. Dans un second temps, on va prendre des mesures comparatives. Pour cela, on va montrer deux méthodes. Première méthode, avec un appareil avec un module PNI testé et fonctionnel. Comme précédemment, on mesure les valeurs des pressions artérielles et on les note sur le compte rendu du test. Deuxième méthode, avec un tensiomètre manuel à un stéthoscope, on va mesurer manuellement les valeurs des pressions artérielles. On place le tensiomètre manuel autour du bras et le stéthoscope sur l'artère. Ensuite, on va gonfler le brassard et écouter l'apparition d'un son correspondant au passage du sang dans les artères. On continue de gonfler jusqu'à ne plus entendre des sons. À ce moment-là, l'artère est comprimée et le sang ne s'écoule plus. On dégonfle progressivement le brassard et on mémorise la pression au moment exact où un son est de nouveau audible. Il s'agit de la pression systolique. Le brassard continue à se dégonfler et les bruits s'arrêtent lorsque la pression exercée par le brassard devient inférieure à celle du sang dans l'artère. On mémorise ici la pression diastolique. Enfin, on note les deux valeurs mémorisées sur le compte rendu du test. Ensuite, on va comparer les mesures de la première ou deuxième méthode aux mesures de notre tensiomètre que l'on teste. On compare les valeurs des pressions systoliques entre elles, puis les valeurs des pressions diastoliques entre elles. Si la différence entre chaque valeur est à plus ou moins 5 mm de mercure, cela signifie généralement que notre appareil a besoin d'être calibré. C'est une opération que l'on peut effectuer avec la documentation technique de l'appareil. Maintenant, on va vérifier le fonctionnement des alarmes. Pour cela, on va aller dans les réglages d'alarme pour régler le seuil haut de l'alarme de la pression systolique à une valeur inférieure à notre propre pression systolique et on vérifie le déclenchement de l'alarme PNI haute. De la même manière, on va régler le seuil bas de l'alarme de la pression systolique à une valeur supérieure à notre propre pression systolique et on vérifie le déclenchement de l'alarme PNI basse. Puis, on va faire de même pour vérifier le fonctionnement des alarmes hautes et basses de la pression diastolique et de la pression moyenne. Attention, on n'oublie pas de remettre les seuils de toutes les alarmes telles qu'elles étaient à l'origine. La dernière alarme qu'on vérifie, c'est lorsqu'on débranche les brassards. On lance une mesure et une alarme se déclenche pour nous indiquer que la mesure est impossible. Cinquième et dernière étape, test de sécurité électrique. Pour cela, nous vous renvoyons vers la procédure de sécurité électrique que vous trouverez en lien sous la vidéo. Une fois que nous avons vérifié notre appareil en suivant toutes ces étapes, n'oublions pas de compléter et d'archiver ce compte rendu et d'enregistrer les résultats de cette maintenance dans nos outils de suivi. L'appareil ne peut être rendu au service utilisateur que si et seulement si toutes les étapes sont validées. Sinon, il y aura des petites réparations ou des achats d'accessoires à prévoir en remplacement. À vous de jouer !